gouvernement de la transition informe l'opinion publique qu'une tentative avérée de coup d'État a été déjouée ce 26 septembre 2023 par les services de renseignement et de sécurité burkinabé. Près d'un an après l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré par un coup d'État, le gouvernement de transition a affirmé mercredi 26 septembre en soirée avoir déjoué la veille une tentative de putsch. 4 officiers ont été interpellés au Burkina Faso, soupçonnés d'être impliqués dans un complot contre la sûreté de l'État, a annoncé le parquet militaire au lendemain des déclarations du gouvernement affirmant déjouer une tentative de coup d'État. Mardi soir, des milliers de personnes étaient descendues dans les rues de la capitale, Ouagadougou, à l'appel de soutien du capitaine Traoré pour le défendre face aux rumeurs de putsch qui agitaient les réseaux sociaux. Cette tentative survient quasiment un an jour pour jour après la prise de pouvoir par un coup d'État du capitaine Traoré le 30 septembre 2022. Il s'agissait alors du deuxième coup d'État en 8 mois que connaissait le Burkina Faso. Miné depuis près de 10 ans par des violences djihadistes sanglantes sur une grande partie de son territoire.